Chères Léguevinoises, chers Léguevinois, bonjour à tous. J'espère que vous avez pu profiter de vos vacances malgré un contexte sanitaire contraignant. Hier et aujourd'hui, c'était la rentrée pour nombreux de nos enfants et ados. La municipalité était présente sur chaque école et nous avons eu plaisir à échanger avec vous. Nous souhaitons une excellente année scolaire aux élèves, aux enseignants, aux agents et aux parents. Durant l'été, les services municipaux ont engagé de nombreux travaux de rénovation dans nos écoles qui se poursuivront au cours des prochaines vacances. Nous avons aussi renouvelé du matériel et du mobilier devenu vétuste pour que nos enfants, en dépit des contraintes qui leur sont à nouveau imposées, puissent étudier dans le cadre le plus agréable possible. Une année qui s'annonce riche d'événements, et je voudrais remercier l'ensemble de nos associations, nos commerçants et professionnels, nos restaurateurs, qui font que Léguevin est une ville qui bouge, dynamique, positive, sportive, culturelle, solidaire et respectueuse de l'environnement. Merci, merci, merci. L'épidémie de la Covid-19 n'est pas terminée, il est de notre responsabilité collective d'y faire face. En tant que maire, je me dois d'appliquer et de faire appliquer les décrets du gouvernement et les directives préfectorales qui évoluent en permanence. Ce n'est pas un choix, mais une obligation et je refuse de rentrer dans tout débat qui diviserait les Léguevinois. La loi est la loi. Quoi qu'il en soit, après un Léguété riche en animation, plusieurs manifestations vous sont proposées. Je vous invite à consulter régulièrement nos réseaux sociaux et notre site internet. Nous vous rappelons également que la saison culturelle du Tempo a repris avec pas moins de 15 spectacles à l'affiche, dont certains sont gratuits et 9 conférences. Enfin, vous le savez, je suis à votre écoute. N'hésitez pas à contacter mon secrétariat ou à venir directement me rencontrer sur le marché le premier dimanche de chaque mois sur le stand Le maire à votre écoute. J'ai toujours beaucoup, beaucoup de plaisir à échanger avec vous. Alors, à très bientôt et encore une fois, très bonne rentrée à toutes et tous.